Salut à tous tes amis, c'est MrOSX96. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Nibiru. Et aujourd'hui, donc, on va faire plusieurs nouvelles choses, des crafts que j'ai fait un peu entre les deux épisodes, qui sont pas bien durs et qui sont pas spécialement utiles, mais voilà, c'est juste quelques petites choses pas spécialement importantes à montrer en vidéo. Donc tout de suite, vous voyez que j'ai un jetpack et des bottes nanosuite. Donc ça n'a pas changé des précédentes saisons. Donc ça, on peut toujours les avoir. Et c'est juste un craft un peu tout petit peu plus compliqué. Donc ça a été gentil, ça m'a gentiment été offert par Dave93. Donc ça, je peux pas encore le faire parce que je n'ai pas encore de compresseur. Mais par contre, ça, j'aurais très bien pu le faire, sauf pas, je peux pas le remplir. Donc il va bientôt être usé de toute façon. Donc le bad box, on avait vu comment le faire. Ceci, c'est donc pareil, sauf avec seulement une plaque séparée enfin avec un trou au milieu. Et ensuite, il nous faut les circuits. Donc les circuits, c'est une chose que je vais vous montrer aujourd'hui comment les faire. Donc c'est surtout ces plaques rouges qui sont donc des red alloy plates. Donc on les fait donc avec des red alloy lingots. Et ceci, c'est pas non plus très facile à faire. Donc tout d'abord j'ai fait, on va juste prendre, j'ai fait donc des l'industrial smelter, voilà, qui se trouve ici. Et pour donc avoir ces lingots, ok, aïe aïe aïe, c'est gang bang, c'est gang bang que je me prends là, je prends trop cher, voilà. Moi, ça me remonte un peu mon XP. Donc comment on les fait? Donc il vous faut un tout petit peu de redstone et de copper que vous mettez dans un induction smelter que je vous ai pas montré comment le faire. Donc, je vais juste récupérer ça. Et ensuite, ça vous donne donc des red alloy lingots que ensuite vous mettez donc dans le hammer. Ça va vous donner des plaques ou avec le marteau si vous désirez. Donc ensuite pour le circuit. C'est donc 3 copper plates, c'est plus ou moins comme avant. Avec le rubber et un fil de cuivre, donc avec le petit cutter qu'on avait vu comment faire. Et ensuite, donc c'est avec une plaque de métal et deux red alloy à chaque fois. Donc déjà, vous avez vu aussi de petites salles, donc ça je vais revenir après. Juste dès qu'on aura besoin de venir ici. Donc je vais juste vous montrer un peu les nouvelles choses qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Donc déjà j'ai fait ce sound muffler. Donc comment ça se craft, c'est pas bien dur. Tac, donc c'est avec de la laine et un autre bloc. Donc ça c'est du Minecraft de base. Et ça diminue tous les sons qu'il y a aux alentours. Donc ça c'est assez intéressant, surtout pour nos machines en bronze qui font énormément de bruit dès qu'elles tournent. Donc voilà, vous mettez il y a une zone, je pense, à une certaine zone où le son est réduit, mais en tout cas là pour l'instant ça suffit pour ce qu'on fait. Donc on récupère juste encore ça. Pourquoi elle tourne plus, ça je sais pas. Ah oui, c'est parce que c'est plein, voilà. Et pour ça je crois que c'est bon. Donc c'est si ouais, vous le placez, il n'y a rien besoin de faire avec, c'est tout simple. Une petite information aussi, donc il y a pour le jetpack, vous voyez que c'est pas comme d'habitude. Donc il y a juste une petite touche dans vos paramètres qu'il faut changer. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est sur haut. Enfin, c'est pas de bas sur haut. Mais j'ai changé en mettant ça sur haut. C'est la IC2 mode switch key. Et ça vous fait donc en volant donc avec la barre espace et en appuyant sur le bouton. Voilà, ça vous désactive le mode et vous pouvez voler beaucoup plus vite. Voilà, je le remets. C'est plus pratique d'être comme ça. Là, il manque un peu de lumière. Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'avais crafté quelque chose d'autre? Je crois pas. Pas ici encore. Pas pour l'instant. Donc, je me suis également recrafté enfin, un nouvel Aqueous Accumulator. Donc, par contre, je lag un tout petit peu. Donc. Pas tout à fait normal ça.
Bon, là, il y a un petit coup de bruit, mais ça, c'est juste la lave. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire un peu les deux nouvelles machines, un peu avec une nouvelle source d'énergie pour les machines thermales expansion. Voilà, donc on va commencer par le pulvériseur qui est un équivalent de macérateur, et ensuite, on pourra très bien se faire le four, l'extracteur, je suis pas sûr, mais il y a aussi le smelter, et ça coûte beaucoup moins de charbon que pour le tout ce qui est en bronze. Donc ça, je reviendrai également juste après. Donc pour pouvoir faire le pulvériseur, donc je vais le faire directement. Il faudra donc des steam dynamo. Mais d'abord, on va se faire le pulvériseur. Donc normalement, j'avais quelques trucs ici. Voilà, donc il faut juste que je fasse encore ceci. J'ai les 4 styles du verre. J'ai sur moi. Moi, j'en ai encore 3 là. 2 comme ça. Comme ça, les deux diamants, le piston, et ensuite des rouages en bronze, donc soit comme ceci, donc comme vous avez pu voir, soit comme ceci, mais normalement il y a une autre manière encore de faire, qui sont ceux-là. Voilà, donc normalement j'ai assez, il me faut juste de la cobble. Donc on va vite retourner rapidement chez moi grâce à la commande slash home. Voilà, est-ce que j'ai du bois? Oui, c'est bon. Et ensuite, la commande slash back qui sont donc activées sur le serveur. Donc, il nous en faut deux. Donc, on va se faire ça tout de suite. Je l'ai trop fait, mais c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Hop. Ça nous fait deux rouages en bois. Hop. Ensuite, on met donc le bois, la cobble autour. Comme ceci. Et ensuite, le copper autour. Je suis retourné un peu miné pour. Entre les épisodes, parce que il me manquait pas mal de ressources quand même, et ça, je pourrais avancer un tout petit peu plus rapidement. Donc je crois qu'il me faut aussi un lingot d'or pour mettre au milieu du craft que je vais faire. Je sais plus comment s'appelle la petite boîte. Voilà, ça on l'avait déjà fait pour la Coeus, comme ceci. Et ensuite le piston, les mince, il manque encore quelque chose, il manque la petite. Le petit bâton qui est là, hop, comme ceci et comme ceci. Donc, tout ça, c'est un peu du mode thermal expansion. Donc, on découvre aussi d'autres sources d'énergie qu'on n'avait pas encore vues dans mes précédentes, enfin, dans mes précédentes aventures sur du Feed the Beast. Enfin, là, je me suis fait un peu taper sur les doigts parce que j'appelle ça Feed the Beast. Donc, c'est vraiment un serveur appelé Nibiru qui est un équivalent de. De Feed the Beast, sauf c'est vraiment un serveur spécial où les mods ont été ajoutés pas avec un mod pack directement Feed the Beast. Voilà, donc là on a fait notre pulvériseur qu'on va placer juste après, mais d'abord il nous faut donc des steam dynamo, enfin, un steam dynamo ou deux, peut-être s'en faire deux. Donc il nous faut juste nouveau un bâton, mais sauf que ce soit-ci en silver, enfin ouais, avec un silver lingot. Donc on va essayer d'en faire deux chaque fois, donc j'ai pas pris. Tout ce qu'il me fallait, donc on va faire un petit slash home. Il me faut un silver en plus. Hop, un slash pack. On le prend. On va déjà commencer par ça. Tac. Comme ceci, voilà. Ensuite, il nous faut 6 bronze, 6 copper, pardon. Donc on va les garder là. Voilà, on va mettre ça ici. Ça ici. Ensuite, il nous faut de nouveau des petites roues, enfin des boulons, on peut appeler ça comme ça, je pense. Voilà, hop, de nouveau avec la cobble autour. J'aurais pu directement les faire avant, sauf que j'avais oublié qu'il nous fallait ça comme matériau. Donc en fait, il faut que j'en fasse x2. Super, j'avais oublié. Voilà. Tac. Ceci, hop. C'est super fascinant de faire des rouages à la chaîne. Hop. Donc le copper, il commence à devenir rare déjà. Enfin, si dans mes coffres, en tout cas, ça devient assez rare d'en avoir. Et je crois que c'est tout bon. Voilà. Donc, deux redstone ici. Deux rouages ici. Les deux petits bâtons. Et à chaque fois, deux de copper. Voilà. Comme ceci.
qu'on va placer, donc il faut les fournir avec de l'eau. Donc j'ai fait à la place, donc j'ai de nouveau mis pardon, un aqueous accumulateur à la place d'une pompe. Voilà, donc qui pompe tout le temps une source infinie. Et ensuite on. Non, pas comme ça. Est-ce que je peux récupérer avec la pioche? Ça, je sais pas. Dans le doute, je vais récupérer ma petite wrench qui doit être ici, voilà. Ok, donc je pense que c'est bon, on peut récupérer la pioche. J'ai un doute sur ça. Est-ce qu'il y a une wrench spécialement pour le thermal expansion? Bullcraft, plat énergistique. Non, 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 non. Ouais, bon, ça va être bon. Donc on va le casser à la pioche. Ça fait un peu peur cette couleur, mais c'est pas grave. Yes, c'est bon. Non, toujours pas bon. C'est bizarre comment ça se place. Il faut les mettre donc les soit avec des seaux d'eau, donc vous les remplissez, soit mais ça veut pas. Donc on va mettre des blocs par-dessus. À voir comment ils se placent. Tac. Donc soit avec des seaux d'eau, soit directement avec cet accumulateur ou une pompe comme vous désirez. Donc on va placer ça comme ça. Hop. Non mais ça ne veut pas. Ok, c'est complètement chiant. Mais on va donc d'abord faire les tuyaux qui suivront donc les steam dynamo. Donc c'est des leadstone. Les leadstone énergie conduite. Donc c'est la première utilité du lead que j'ai un peu récupéré, que j'ai fait cuire ici donc. Et ensuite avec de la redstone autour et du verre au milieu. Donc je crois que je n'avais déjà fait. Non, je n'avais pas fait encore. Tac tac. De la redstone qui commence à devenir rare aussi. Voilà, comme ceci. On va replacer la terre pour l'instant. Hop, hop, ça on enlève aussi, ça ne sert à rien pour l'instant. Donc ici, il y aura les deux Steam Dynamo. Hop, et hop. Et ensuite, on va essayer de les replacer. Voilà, comme ceci, c'est mieux. Donc ici, j'ai pas mis de petites flèches, ça ne servait à rien. Ok, donc là, il est plein. Donc ça ne servait à rien, donc vous pouvez très bien laisser comme ça. Et ici, il faudra plus que mettre du charbon. Juste ici, donc vous voyez que ça s'est rempli d'eau complètement grâce donc au water drum. Donc je vous montre juste comment ça se craft. C'est donc une sorte de c'est un baril en fait qui peut stocker un peu tout ce que vous voulez. Donc du steel avec un chaudron et deux plaques de fer. Donc ils sont avec deux plaques et un marteau. Donc comme ceci, donc là on a de l'énergie ici, de l'eau et on va pouvoir poser nos machines par-dessus déjà. Tac, notre pulvériseur, pardon. Qui est normalement alimenté par dessous. Dessous, c'est jaune. Donc au cas où, est-ce que ça change quelque chose? Quelque chose, pardon. Non, ça devrait pas. Et donc là-dedans, on va essayer de mettre donc notre charbon. Vous voyez que ça monte pas mal. On va essayer pour mettre plus encore. Non, ça ne sert à rien. Et on voit que non, pas là. Voilà. Ici, ça fait 8 ans TRF. 8 TRF par tick comme énergie. Voilà, donc ici on va pouvoir par exemple, aller commencer à faire macérer ce qu'on a besoin à la place, enfin pulvériser plutôt. Ça se dit plus macérer puisqu'on n'est pas dans un macérateur. Donc par exemple, on va essayer avec on va prendre ça et ça pour l'instant. Hop, on va mettre ceci là-dedans. Et vous allez voir que ça nous fait donc des pulvériseurs tin qu'on peut mettre donc dans le on va essayer de faire aussi non parce qu'on va faire furnace directement il est où? Il est là, redstone furnace. Donc c'est pareil, il faut de nouveau ceci. J'espère que j'ai 4 leads, oui, 4 steel. Bon, on va refaire ça encore. Par contre il me faut de l'or. Oh, tac. Donc je vais bientôt commencer aussi à déménager, me mettre peut-être dans une montagne comme ça. Moi j'ai pas besoin de faire une immense maison et je pourrais tout le temps agrandir plus ou moins ce que je veux faire, enfin, par rapport à ce que je veux faire.
et ne pas devoir construire chaque fois autour un bâtiment. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il me faut deux briques. Est-ce que j'ai ça pas? J'ai pas ça là. Normalement, j'en ai ici. Voilà. Donc ça fait 4-8. Voilà. 4 briques. Tac. Tac. Et ensuite, deux rouages en copper de nouveau. Il manque du bois. On va en reprendre un peu ici. Voilà. C'est vraiment pratique, hein, ces commandes. Ces commandes qui sont bah, sur un serveur, quoi. Donc c'est. Ça m'arrange énormément pour faire des allers-retours. Bah, après, ça sera plus comme ça parce que bah, j'aurai donc une base un peu plus serrée et plus compacte. Et après, on va bien sûr, donc pour ce pour le tout ce qui est en bronze, on va faire un petit bâtiment autour. Mais je pense qu'on va peut-être aller essayer de s'établir vraiment dans cette montagne ici, mieux que dans la petite baraque qu'on a ici, et pouvoir faire après quelques bâtiments, donc par exemple les trucs en bronze, donc sur cette plaine qu'on a à peu près construite ici. Donc ensuite on a notre machine frame, on a notre. Il faut nous faire donc les rouages que j'avais oublié. Voilà. J'ai encore de la cobble, c'est bon. J'ai encore du copper, c'est bon. Hop. Et voilà, comme ceci. Et normalement, c'est tout bon. Hop. 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 Et c'est quoi le dernier truc? C'est une redstone. Voilà. Comme ceci qu'on va placer aussi ici. Ça nous donne aussi donc du tin, ça nous donne de l'iron. Donc c'est aussi il y a le même principe dans les machines en bronze. Ouais, enfin ici c'est pour l'iron, ça peut nous donner du nickel et pour le tin ça peut nous donner du fer. Voilà. Et par contre ici dans le grâce au crochet de Crushed Iron Ore, ça nous donne donc des petits. Ah, le bruit. Des nuggets. Vous croyez que c'est un peu moins rentable, mais vous voyez, j'en ai 60. Ça, c'est donc grâce à. C'était donc 6 Crushed Ice. Et à chaque Crushed Ice, il vous donne un en plus. Donc, comme c'est vu ici. Facilement. Donc, pareil pour le lead. Par contre, il fait nuit, donc ça m'embête un peu. Voilà, là, je peux même en refaire un. On va se le refaire, c'est un peu embêtant des fois, mais c'est juste pour embêter quoi. Hein. Donc on a pris les. Où est-ce que ça va passer? Ah oui, je les ai mis ici. Donc vous voyez que ça va un peu plus vite et que ça va pas beaucoup consommer de charbon. Enfin, vous savez tout comment consommer, mais pas en énorme quantité. Donc ça c'est pour ça que l'utilisation du charbon est assez importante pour le début de notre aventure. Et c'est pour ça qu'on va faire dans le prochain épisode. Donc une culture de bois automatique et qui se transformera donc en charcoal. Et comme ça, on aura tout plus ou moins immunité. Donc, juste pour les autres machines qu'on peut faire avec Terminal Expansion, on a le Redstone Furnace, le pulvériseur qu'on a fait, le Sam. Ça doit être qui coupe les arbres, donc on va pas utiliser ça. On va faire donc l'induction smelter également dès qu'on pourra avoir de l'Indbar. Et on peut l'avoir comment ok, donc il nous faut un peu de lignes barre avant ça me semble un peu bizarre. Ah là on va revenir ici, Iron Dust et Nickel Dust, donc on va essayer de faire il n'y a pas un autre moyen sûrement. Comment on fait l'alloy smelter? Alloy smelter, donc ça il nous faut du. C'est du Cracktech. Ça va être dur de faire ça donc. Je vais regarder. Ah ouais, il nous faut aussi de l'invar, c'est gentil ça. Ok. Donc pour l'instant on va pas faire le smelter. Enfin, à moins que j'ai une solution. Une solution bah, pour régler. Pour avoir de l'invar, voilà, pardon. Le magma crucible, ça peut servir aussi, pardon. Le fluid transposer également. Donc ça, je vous expliquerai comment ça marche. Pour avoir de la glace, après, bah, ça peut être des machines un peu différentes. Donc, ah oui, on avait déjà fait
Donc du Thermal Expression avec l'Aqueous Accumulator. Excusez-moi de la petite erreur que je vous ai dit, commencer des nouvelles machines. Et ensuite, on pourra se faire également des gros stacks d'énergie grâce à ces Energy Cells. Donc, d'ailleurs, on peut peut-être s'en faire un. Un Energy Cell de base. Combien ils ont des Hold Shift. Ok, donc il a 400K, 2000K carrément, et ensuite 10 millions de K. Oh, allez, c'est un peu beaucoup ça. Ouais, je pense qu'on va peut-être essayer de se faire simplement celui-là. Eh ben, non, on peut pas. On va donc se faire le Leadstone. Donc, en Leadstone. Donc du copper et ensuite, ok, donc ça je pense qu'il faut que je le mette dans le compresseur ou dans l'induction smelter. Ok, j'espère que je dois pouvoir faire ça là-bas. Ah oui, en fait pour l'invar je peux pouvoir le faire ici en fait, dans celui-là de smelter. Donc je vais essayer de faire ça, mais je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Donc je vais juste aller chercher un grain de sable, un grain de sable. Ah mais mince, en fait il me faut ça va pas le faire. Parce qu'il me faut une pioche Kill Touch que je n'ai pas encore. On va donc essayer de faire l'Invar. Ça ira mieux. Donc l'Invar, comment j'avais vu, pas celui-là en tout cas. Non, pas celui-là. Non. Je l'avais vu avec du nickel et du. Voilà. On a bien le temps de faire avec ça. Donc c'est un nickel, un lingot de nickel. Et de fer. Donc on va prendre un peu le nickel qu'on a et le fer il est là-bas. Bon, ça va pas le faire. Tac. Non mais je l'ai sûrement en fait. Donc on va essayer de faire ça dans cette induction smelter là. Enfin dans ce smelter là, pardon. Donc deux comme ça et un comme ça. Voilà, ça marche. C'est magnifique. Il m'en faut combien? Il m'en faut donc 4 de toute façon. Et puis celui-là, comment on le fait en fait? Redstone Furnace, ouais, non. Ah, voilà, au pire, ouais, donc avec les dust. Ok, donc on va faire ça là-dedans. Oh, 3 d'un coup, il m'en fallait combien? J'ai dit 4, super. Donc on va refaire ça. Donc le nickel, c'est assez rare. Mais pas plus que ça. Donc lui, il a plus l'air d'avoir une énergie, voilà. Tac, lui, on n'a pas encore assez. Et on reprend ça, et on redonne ça. Il a plus non plus d'énergie. Donc pour l'instant, on continue avec ça. Dans ces machines, on va bientôt les finir. On va presque plus les utiliser, mais c'est pas grave. Maintenant qu'on a les Steam Dynamo, c'est complètement différent. Donc ici, ça nous a fait du PVZ Iron. Ça m'arrange bien. Ok, donc je sais pas si vous avez vu. Donc ici aussi, donc c'est encore plus simple. Ici, ça sort en rouge à droite. Donc c'est dans ce qui arrive ici, donc c'est rouge. Ça va rentrer directement. Ça devrait arriver directement dans le. Attendez, je suis pas sûr, j'ai un doute là. Là déjà j'ai plus d'énergie, donc je vais en mettre un peu. Hop. Hop, voilà comme ceci. Il faudrait que je fasse un peu des réglages par rapport aux couleurs, comme ça rentre directement l'un dans l'autre. Ah bah là j'ai des poudres, donc on va aller se faire ça. Puis j'ai aussi 4 poudres de nickel, ça m'arrange bien. Tac et tac, comme ça j'ai un peu plus d'invar. J'espère avoir assez de ressources, hein. Je le garantis pas encore. Hop. Donc c'est ceci qu'on doit faire. Ceci. Peut-être qu'on va faire plutôt. Ouais. Ça change rien, je pense. Donc on va faire ceci là. Donc c'est là. En fait, ouais, je ne peux toujours pas le faire. Donc je vais juste essayer d'aller emprunter le compresseur. Ou sinon, je peux le faire de cette façon là. Voilà. Donc je vais juste faire ça. Je pense en coupure. Parce que c'est pas ça l'important, donc c'est un compresseur que je vais mettre ici. Ou peut-être que je peux le faire en thermal expansion. À voir, j'ai. Non, je crois pas. Non. Donc je vais le faire en coupure. Donc je reviens tout de suite après avec un petit compresseur en bronze. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà devant notre petite machine. Donc j'ai fait le compresseur en bronze avec pas mal de difficultés. Et par la même occasion, j'ai fait un extracteur. Bon, c'est. Surtout pour le bois que je récupère
grâce à ces arbres là-bas, puisqu'ils ont été dépassés de cette zone-là. Car ici, je vais commencer à faire ma petite base et ça sera plutôt à l'extérieur, ça sera un peu plus joli. Donc voilà, donc là j'ai fait le compresseur comme je vous l'ai dit, donc j'ai déjà fait le petit bloc de redstone à l'intérieur. Et pour cela, donc pour le compresseur, j'ai dû faire quelques petites choses un peu compliquées. Donc, enfin, surtout pour la gear, non pas celle-là non plus. Ah, il faut que j'arrive à cliquer au bon endroit. Voilà, celle-là. Donc il nous faut des bâtons en bronze, en copper, pardon. Et pour le faire, il nous faut donc du copper et un tournevis. Donc le tournevis, c'est deux plaques en dessus. C'est comme une épée, ça fait avec des plaques, ça va vous donner un tournevis. Simplement, comme ceci, ça vous donne une rod, enfin un bâton de copper. Qui peut être très intéressant et très utile par la suite. Donc j'ai fait ça, ça marche pareil que toutes les autres machines. Et par la même occasion, bah, j'ai fait un Ingenious Extruder, donc, qui m'a en fait pas été utile. Je pensais que je pouvais faire les gears avec ça, mais en fait, non, pas du tout. Parce que avec celui-là, là, on peut se faire les gears en copper, les autres, mais pas avec celui-là. Donc, je fais celui-là comme d'habitude, un peu avec les thermal expansion. Et pour l'instant, on va pas l'utiliser. Mais si vous voulez l'utiliser, vous choisissez entre obsidian, stone et cobblestone. Vous mettez de l'eau et de la lave les deux côtés. Mais je vous montrerai ça bien sûr par la suite. Et bah, ça vous craft automatiquement tout ceci. Donc c'est bien pour l'obsidienne et pour la stone aussi si ça vous embête de devoir cuire à chaque fois votre cobblestone. Voilà. Donc aussi là j'ai un peu fait les réglages. Donc j'ai mis que tout ce qui cuit dans le pulvériseur part à droite. Donc ici donc vous pouvez choisir la couleur. Donc c'est soit tout part à droite, tout ce que vous mettez là dans le bleu, sinon tout ce qu'il y a dans le rouge, et sinon tout ce qu'il y a dans le jaune, ou sinon tout ce qu'il y a dans l'orange, et ensuite ici ben, ça récupère dans le bleu. Et donc ici ça revient ici, ce qui a été pulvérisé vient dans le bleu ici pour cuire, et tout ce qui est en rouge part dans le coffre s'il y a trop de matériel. Voilà, donc on va pouvoir se faire donc. Je pensais faire le lead stone, mais en fait je me dis que je vais plutôt faire. Directement le je voulais faire celui-là, voilà le Lidstone Energy Cell, mais en fait pour finir j'ai ni le Hardened, j'ai pas envie de le faire, même si j'ai fait de l'Invar, ça pourrait très bien me servir par la suite, mais je vais faire le Redstone Energy Cell. Donc il me faut de l'électrum, l'électrum c'est égal, et pour ça il nous faut donc du silver, peut-être pas prendre non plus trop, et de l'or, voilà comme ceci, qu'on met dans le alloy smelter qui se trouve ici. Hop. Il m'en faut donc combien? Tac, 1, 2, 3. 3. Ok. Il m'en faut seulement 3. Il me faut. Non, pas ça. Tac. Tac. Ok, donc là, il faudra qu'on remplisse ça dans un fluid transposer. Mais c'est pas encore la question. Oula, ça va un peu vite. C'est pas grave. Tac. Alors ça on peut poser là. Donc en fait le bloc de redstone m'a été un peu inutile. Donc au pire je pourrais. En fait je vais d'abord faire simplement en leadstone. Ça suffira aussi. Donc pour l'instant, et je ferai peut-être aussi par la suite en électrum. Je m'en contredis, mais pour l'instant ça va me suffire. C'est surtout que je vais pouvoir l'utiliser ensuite cette essence d'énergie pour un peu creuser dans la montagne qui se trouve là-bas. Donc tac 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 comme ceci. Non, ça ne va pas. Pourquoi? Ok, donc ça a l'air d'être des verres spéciaux. Voici sur celui-là. Non, c'est quoi ce verre sainte du glace? Ok, donc il me faut que j'aille récupérer encore un peu de sable, un peu de sable. Pour l'instant j'allais chercher là-bas, hein. Je referai tout ça après. Alors, on prend ça ici, hop. Hop, pour l'instant, je vais prendre là comme ceci, hop. Enfin, c'est pas ça. Tac. Et on va, je pense, pouvoir back. Voilà, ici.
Et ensuite, donc, il nous faut tac, 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 tac. Ok, donc comme ceci, hop. Bon, c'est un craft un peu plus compliqué, mais c'est pas... Ça va très bien. Hein. Hop, on va en refaire encore quelques-uns. Je peux en faire 4, voilà. Et en attendant que ça... Ah, en fait, non, ça a déjà cuit, donc c'est parfait. Ça m'en a donné 3, ok. Bon, bah, tant mieux. 4, voilà, comme ceci, hop. Donc, on refait notre craft pour avoir notre premier... Notre composant pour l'énergie cell. Tac. Pourquoi ne veulent-ils toujours pas? Ok, si je me gourre et je mets du style, c'est sûr que ça va pas jouer. Donc en fait, je crois que je me suis peut-être compliqué la vie. Tous ceux qui devaient derrière votre écran, vous devez être là. Mais il fait quoi? Mais c'est pas grave. Si ça marche avec ça, ça va. Super. On va utiliser comme ça sera plus facile. Au moins, ça fera une belle petite déco. Hein. J'aime bien ce vert, donc je vais peut-être pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, tac. Ensuite, il me faut. Ah bah parfait, il me fallait l'électrum pour ici, donc l'électrum ne sera pas inutile dans ce bout de vidéo que j'ai fait. Donc j'ai pas fait non plus que des choses inutiles. C'est parfait. J'ai fait l'invar mais c'est pas j'utiliserai pour autre chose bientôt. Alors le copper, j'en ai pas assez. Encore un, hop. Donc j'ai quand même un tout petit peu plus de mina là. Et grâce à tout ce que j'ai pu pulvériser, ça m'a semblé un peu bizarre, mais voilà. C'est comme ça, donc comment on le fait? Ok, c'est pas comme ça. Tac, 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 et tac. Et ensuite là, hop, et on va le remplir ici. Juste simplement comme ça. Ensuite, il faut. Normalement, il y a une petite flèche qui doit apparaître. Non, pas pour cela. Donc, max input. Ah bah oui, ça se remplit. Donc on attend que ça se remplisse, on va faire un petit filler. Voilà, comme ceci. Donc, il nous faut 2 angles. J'espère que j'en ai. Ça ne m'embêterait pas en avoir. J'en ai pas. Est-ce que j'ai des fleurs jaunes? J'en ai pas. Bon, bah, ça va être une petite excursion pour aller récupérer tout ça. Donc les fleurs jaunes, j'en vois là-bas au fond. Parce que là-dedans, il y a un petit poulpe. Ça m'étonnerait. Par contre, on va aller... Non. Ça a rien. Par contre, j'ai toujours pas d'épée. Hein. Je l'ai cassé et ça m'embêtait d'en refaire une. Une petite fleur jaune, donc j'avais dit là-bas, mais il me faut aussi de l'eau. Un zombie en armure de bronze. On s'en fiche. Pas mal d'animaux. Hein. Pas mal d'animaux. C'est assez intéressant. Là-bas, il y a de l'apatite qui me sert pas spécialement grand-chose. On a même pu faire dans cette montagne-là, c'est pas mal, ou celle-là là-bas, mais c'est pas grave, hein, regardez ça, elle est jolie aussi sur celle qu'on va s'installer. Donc on va en prendre plusieurs, peut-être pour la suite on va pouvoir utiliser, hop. Voilà, et maintenant il me faut de l'eau. On va aller par là-bas. Ça c'est mon lac en fait, ça va pas le faire. Ben, là-bas, par exemple, il y en a aussi un de lac. On va manger sur le chemin. Voilà, tac. Ok, donc c'était celle-là. Ah bah parfait, là-bas il y a l'air d'avoir un petit, enfin un grand lac. Très intéressant pour l'avoir du poulpe. Hein. Et beaucoup de moutons aussi autour. Hein. Il doit être riche en, je sais pas, en nourriture de moutons, hein, c'est-à-dire de l'herbe. Sauf qu'il n'est pas profond, donc il n'y a pas l'air d'avoir de poulpe. Super! J'adore! Moi aussi, c'est aussi pas mal joli. Hein. On va récupérer un peu de sable, hein. Il manque un peu. Hop, tout petit peu. Ok, donc il n'y en a pas. Donc on va se retrouver, bah, je pense, bah, dès que j'en aurai trouvé. Parce que c'est pas spécialement intéressant. Il y a juste ce truc là-haut qui m'a l'air pas mal. Je sais pas ce que c'est. Du tout. C'est quoi? Ok, oui, c'est un minerai que j'ai pas encore récupéré, je crois. Ou si, peut-être que oui, mais c'est pas intéressant pour l'instant, donc on va pas aller le prendre. Tac.
Ouais, donc je vais vous reprendre dès que j'aurai trouvé mes deux petites encres et on pourra crafter le filler et normalement l'énergie cell sera remplie. Allez, à tout de suite.